Wesh les gens, ça va ou quoi? J'espère que ça va. En tout cas, moi ça va pas très bien. Pourquoi? Je vais vous expliquer. La vidéo, elle est juste derrière là. Vous pouvez la voir, hein, de toute façon. Et oui, selon le commentaire d'un abonné dans sa vidéo à monsieur là, hein, eh bien je vais faire comme il a été dit. Je vais porter plainte. Ça m'était pas venu à l'idée. Le commentaire, je vais mettre par là, tout comme ça, vous verrez. Merci à toi d'ailleurs. Je vais porter plainte parce que monsieur MK Prod s'est amusé à me hack mon PC en live juste. Parce que, soi-disant, je le forçais à jouer à H1Z1 et tout. Alors que c'est totalement faux! Je ne l'ai jamais forcé à jouer à H1Z1. En revanche, lui, par contre, la dernière fois que je suis venu sur son stream, pour ceux qui étaient là, quand je suis venu, il m'a forcé à jouer à CSGO. Il m'a forcé à jouer à CSGO. Et c'est lui qui m'a forcé. C'est pas moi qui l'ai forcé, c'est lui qui m'a forcé. En plus de ça, il vient et il ose me hacker. Tout simplement. De toute façon. J'en suis sûr et certain que c'était juste par vengeance. J'en suis sûr que c'était juste par vengeance. Voilà, tout simplement. Parce qu'une fois, j'ai balancé un live genre une heure avant lui, à 7h au lieu de 20h. Et du coup, j'y ai piqué des viewers. Mais j'en suis sûr que c'est à cause de ça. J'en suis sûr que c'est à cause. Je le connais à MK. C'est bon, à force maintenant, je suis rodé. On va regarder la vidéo ensemble, on va l'écouter, vous allez voir. Bougez pas. Écoutez ces arguments, les gars. Franchement, honnêtement. Bonjour, aujourd'hui il va falloir que je vous parle d'un thème bien particulier. Le thème pourquoi moi personnellement j'ai hack Zertec qui se trouve. Bah voilà, alors déjà, à l'heure actuelle, là, il avoue qu'il m'a hack. Il avoue qu'il m'a hack, tu vois. Donc du coup, c'est bon, je sais que c'est lui, c'est dans la poche, j'ai la vidéo, je l'ai enregistrée, la vidéo, vous inquiétez pas, elle est sur mon PC. Donc du coup, c'est sûr, il n'y a pas de problème pour les flics. Nickel. Ciao, à la prochaine. On continue, hein. Attendez, on continue, tranquille. Il se demandait c'était qui. C'est qui s'amuse à faire ça, les gars? Voilà, C'était parce que moi. moi je suis là en fait, il m'a mis ici C'était là, moi, regardez. Zertek était en train de jouer sur un serveur d'Arc RP en plein live. Beaucoup de gens le regardaient, évidemment. Et beaucoup de gens se demandaient. Et se demandaient. Voilà, beaucoup de gens le regardaient, tu vois, quand par hasard il parle de ça, donc à mon avis c'est une question de viewer tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'il allait lancer son live à 20h justement là. Il lançait le live une heure après moi. Donc du coup, ben... Moi je pense que c'est pour ça honnêtement. Je dis ça, je dirais, mais je pense que c'est pour ça. Pourquoi Zertek n'arrivait plus à bouger sa souris. Et évidemment, il y a eu une altercation entre Zertek et moi. Un soir en plein live, Zertek voulait jouer à H1Z1. Et moi, n'aimant pas particulièrement H1Z1, il m'avait forcé à y jouer. C'est à ce moment-là où les. Il est vrai que ça, j'aurais peut-être pas dû le faire. C'est vrai que j'ai vachement forcé pour qu'il vienne. J'aurais peut-être pas dû le faire. Mais pour moi, ça vaut pas un hack. Je suis désolé. Un hack, c'est inexcusable. Il n'y a pas d'excuse. Moi, c'est pas illégal ce que j'ai fait. Voilà. Ça s'est heurté. Il y a eu une très forte embrouille entre nous deux qui a mené à ça. Zertek. Voilà, donc j'avais pris possession de son PC en plein live et. Alors, si vous avez remarqué, il y a la petite musique triste derrière, alors que c'est lui qui a cherché à faire. Au final, pourquoi mettre une musique triste? MK, si tu vois cette vidéo, c'est toi qui viens me hacker, tu la verras sûrement d'ailleurs, c'est toi qui viens me hacker et tu mets une musique triste comme si tu étais triste de ce qui s'était passé. Mais c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait, mec. Voilà. Je m'étais fait passer pour un hacker malveillant, évidemment. Mais ce que vous ne savez pas sur Zertek, c'est que c'est une personne très méchante. Il est très. Je suis très très méchante parce que je lui ai pris quelques viewers. Faut le savoir ça les gars, ok? Faut... Ne l'oubliez pas, surtout pas. Merde, j'ai décalé ça. Très mal intentionné. Voilà, là j'avais rentré des lignes de code, c'était des partitions de musique, mais ça lui a fait peur au début. Regardez-moi ça, comment il est tout penaud. Voilà, impossible de me retrouver. J'ai écrit et retrouvé avec. J'ai écrit comme un enculé. Déjà, vous noterez son orthographe, hein, qu'on soit d'accord. Enfin voilà. Et impossible de retrouver une vidéo. Je sais parler moi aussi. Il fait une vidéo, mais genre, allez, un jour après. Il fait une vidéo un jour après en disant que c'est lui. Il dit impossible de me retrouver, wesh. Eh, va falloir savoir ce que tu veux. Maintenant, je sais que c'est toi, MK.
Mais je suis pas déçu d'avoir un Kaisertech, car j'ai pu récupérer des informations sur lui qui me servira dans le futur, car vous ne savez pas, vous encore. Voilà pourquoi je vais porter plainte, parce que monsieur a récupéré des informations sur moi, des informations personnelles, des informations, enfin voilà. Non, je m'en bats les couilles. Ben ouais, on était potes avant, je m'en fous. Ciao, à la prochaine, voilà. Je porte plainte, il mérite, c'est tout, c'est comme ça. Je suis désolé, mais voilà. De quoi est capable Zertek? De quoi il est réellement... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs, ce que je devrais faire honnêtement, mais enfin voilà, moi j'ai totalement rien fait. J'étais en live tranquille, je me fais hacker, non, non, non. capable. Il est capable de choses vraiment horribles, vraiment dégueulasses. Il se force à jouer à Minecraft, à Farming Simulator, à H1Z1. Je ne voulais pas jouer à ces jeux-là. Il m'a forcé. Quand vous voyez des vidéos, Gangbi... Les gars, Farming Simulator, c'était moi, j'y étais tranquillement dessus, c'est lui qui l'a acheté pour venir jouer avec nous. Donc, c'est des conneries, voilà. C'était juste, c'est des faux prétextes pour m'avoir hacké. Il me force à jouer à autre chose. Il me menace car il a des informations sur moi que j'aimerais ne pas révéler. Mais cette personne est vraiment... Ça, c'était une fois, c'était pour déconner, c'est tout. Voilà. C'était pas du genre. Enfin voilà, vraiment. C'était juste pour déconner une fois que j'avais dit ça. Mais c'est des conneries sinon. Enfin, vous avez déjà menacé votre pote pour déconner une fois, tu vois. Genre quand je parle de menacer, c'est ouais, si tu viens pas, je vais cramer ta maison, tu vois. Alors que c'est des conneries, tu sais très bien que c'est des conneries, tu vois. Mais voilà. Oh Dieu, regardez-moi-le, il est en train de se moquer de mon hack. Regardez-moi ça, comment Regardez sa comment je me caméra moque. elle bug, tellement que le hack est rapide. Évidemment que le hacking est une chose qui ne se fait pas, c'est quelque chose de très méchant, mais j'en avais besoin. J'en n'en pouvais plus qu'il me demandait de jouer à Minecraft et à H1Z1. Comprenez-moi, j'ai essayé de lui faire comprendre. Je lui ai demandé de chanter. Il voulait pas chanter. J'ai voulu le souhaiter, mais je connais pas de policier. Regardez, je vais vous montrer une vidéo où il m'a forcé à jouer à Farming Simulator. Regardez, je l'ai tellement forcé que regardez en haut comment il est mort de rire, les gars. Regardez en haut comment il est mort de rire. Il s'amuse, il s'éclate, mais je l'ai forcé. Regardez bien en haut. Regardez-moi comment qu'il me force. Est-ce que tu vois quelqu'un qui se force? Oui, je me suis forcé à jouer. Aucun amusement réel. Déjà, tu imagines un Rémi travaille comme ça. Oh! Oh, Rémi! Regardez-moi ça! Il me force à couper, à travailler! À couper du bois! Il me force à lui ramener des bouts de bois dans sa machine! Regardez-moi C'est ça! des Et là, grosses il conneries, n'arrête les gars. pas! Vous laissez pas Il duper. n'arrête pas de me forcer! Franchement, vous laissez pas duper. C'est des conneries. Voilà, il m'avait promis qu'il me piquait pas mon camion! Mon beau camion! Regardez-moi ce qu'il fait, Zertek! C'est vraiment dégueu! Ce camion, il était en location. L'argent, il était tout autant à moi qu'à lui. Donc, je suis désolé, j'avais le droit de lui piquer. Voilà. Dégueulasse! J'étais Je vois pas outré! pourquoi lui Regardez ma aurait le tête! camion et J'étais moi, j'aurais pas le outré! camion, qu'on soit d'accord. Vraiment outré! Ramène-le là! Ramène-le! Regardez-moi, je suis fâché. Je suis très très fâché là. Pousse-toi! Pousse-toi! Regardez, même là il est mort de rire les gars, même là il est mort de rire. Arrêtez vos conneries, vous le voyez très bien que c'est des conneries. On va avancer un peu parce que c'est pas intéressant là. Au bout de bois comme ça. Une... Enfin, et beaucoup de gens... En vrai, pour... C'est toujours des Voilà, reproches. toujours des reproches. Non, en vrai, pour vous dire, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas regardé la vidéo de Zertek jusqu'à la fin. Et beaucoup de gens croient que le hack est réel et qu'ils croient pire que c'est moi qui ai hacké Zertek vraiment de façon méchante. Bon voilà les gars, alors je vais finir ce qu'il était en train de dire les gars, c'est des conneries. Cette vidéo encore à l'heure actuelle, c'est pour ceux qui y croient dur comme fer. Putain, regardez les vidéos jusqu'à la fin. C'était juste un troll, des pranks, des petites conneries les gars. C'était pour déconner avec vous, tout simplement. Et vous mêler à une vidéo, tu vois, indirectement, tu vois. Tout simplement les gars, tout simplement, tout simplement.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de hack. C'était du TeamViewer, les gars. Du TeamViewer, il aurait pu prendre mon contrôle qui s'était lancé avant le début du live. Il aurait pu très bien commencer à prendre possession dès le début de mon live, mais c'est juste que pour être plus crédible, on a attendu genre 1h, 1h30, tu vois, pour que ce soit crédible. Mais c'est des conneries, les gars. C'est des grosses, grosses conneries. C'est pas vrai. C'est faux. C'est fake. C'est-à-dire que moi et MK, on est toujours potes. On fait toujours des vidéos ensemble. Vous pouvez le voir. D'ailleurs, Rad, il est là. On est actuellement en train d'en faire une ensemble. Voilà. Tu vois, même quand il n'est pas avec moi réellement, il est là avec moi indirectement. Ah, donc bon, bref, on est toujours en train de faire des vidéos, ça vous inquiétez pas, on est toujours potes. Il n'y a vraiment pas de soucis, les gars, y a vraiment pas de soucis. C'est juste du fake, c'est du troll, c'est du prank, les gars. C'était pour vous piéger. Moi, ouais, je suis content, ça a plutôt bien marché, mais bon, au bout d'un moment, faut que ça s'arrête aussi. Bon, en tout cas, un gros merci, les gars, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y en a, ils le prennent bien, parce qu'il y en a beaucoup qui le prennent mal, genre, ils sont. Soit ils regardent pas la vidéo en entière, et puis du coup, il gueule en disant « Ouais, c'est du fake, on le voit très bien, pouce rouge, mais on le sait que c'est du fake, regarde la vidéo jusqu'à la fin, bordel !» Et du coup, je me prends des pouces rouges pour ça. Soit je m'en fous, de toute façon, pouce rouge ou pas pouce rouge, dans tous les cas, pouce rouge, ça m'aide aussi, hein, donc dans tous les cas. Soit dans tous les cas, il y a des... Il y a des mecs qui viennent et qui t'insultent comme ça, directement, instant, gratuit, parce qu'ils ont mal pris le prank. Mais les gars, il y a quoi de méchant? Il y a rien de méchant. C'était juste un prank. Enfin voilà, il y a pas de problème. Bon bref, en tout cas, merci beaucoup pour les vrais les gars. Merci énormément. Franchement, les gars, pour ceux qui ont regardé la vidéo en entière, voyons regarder les gars. Et dans les commentaires, vous mettez hashtag vidéo en entière. Voilà, hashtag Zertek vidéo en entière. Voilà, pour ceux qui ont regardé la vidéo en entière, celle-là actuellement là. Comme ça je verrai, et on verra qui c'est qui a regardé la vidéo ou pas en entière. Je les verrai dans les commentaires un petit peu. Bon, en tout cas, un gros merci, n'oubliez pas le pouce bleu les gars, ça fait vraiment plaisir. Ou le pouce rouge si vous avez pas aimé tout simplement, si vous avez pas apprécié vous faire troller ou pranker. Enfin bref. En tout cas, un gros merci à vous comme d'habitude, je vous le dirai jamais assez. Je vous dis peace les gars, et merci beaucoup encore.